Mes compatriotes guinéens, face à la dictature de Alpha Condé, nous devrions réorganiser entre nous. Parce que notre pays est en danger. Le Guinée n'a pas de dignité aujourd'hui dans notre pays. Nous sommes étrangers dans notre pays. Le Guinée est étranger dans notre pays. Aucun Guinéen est fier d'être Guinéen aujourd'hui. Si on doit survivre, et jusqu'à 2026, qu'on doit vivre de la même manière de 2010 et jusqu'à aujourd'hui, ça c'est un accident, c'est une catastrophe pour nous les Guinéens. Alpha Condé a dit qu'il va gouverner autrement, que parce que cela veut dire depuis 2010, il a dit que lui ne connaît pas la Guinée, que c'est son frère Malik Condé qui connaît la Guinée, et paix à son âme, son frère Malik, parce que son frère Malik, c'est une bonne personne, mais Alpha Condé, c'est une mauvaise personne. Donc, que c'est son frère Malik qui connaît la Guinée, que lui ne connaît pas la Guinée. Son premier discours de 2010. Cela veut dire lui chercher des pouvoirs dans un pays-là où lui, il ne connaît rien. Dans un pays-là où lui ne connaît même pas le pays que lui, il voulait gouverner. Je ne sais pas pourquoi il a cherché des pouvoirs alors qu'il ne connaît pas la Guinée. Parce que c'est son frère Malik qui connaît la Guinée. Pourquoi il n'a pas laissé de chercher des pouvoirs alors que si lui ne connaît pas de la Guinée. Ça, c'est un accident de la Guinée. 2015, il a dit que lui, il ne connaît pas les cadres guinéens. 2015, il a dit que le cadre guinéen est malhonnête, que lui ne connaît pas le cadre guinéen, que maintenant, il connaît le cadre guinéen. Maintenant, mais avec tout ça, là, rien n'est censé. Maintenant, c'est 2020, là, il a dit encore qu'il va gouverner autrement. Chaque jour, c'est un mot. Chaque moment, c'est un mot. Car le mensonge est gros, le plus que le Guinéen faut le croire. C'est ça que lui, il a dit. Il prend le Guinéen que nous sommes fous. Il prend le Guinéen que nous sommes bêtes. Il prend le Guinéen que le Guinéen sont maudits. Il prend le Guinéen que nous sommes inalphabètes. Il prend le Guinéen que nous sommes pauvres, misérables. Il prend le Guinéen qu'on n'a pas de dignité, on n'a pas d'honneur, on n'a pas la tête pensée, on n'a pas de cerveau à penser. Raison pour laquelle Alpha Condé est en train de souiller la vie guinée, est en train de mélanger la Guinée, la vie guinée, son main est tassée avec le sang. Il y a trop de taches dans son main de sang de Guinéen. Donc, raison pour laquelle on doit réorganiser de plus ce qu'on a fait avant, ça c'est la nécessité. Aujourd'hui, ils ont convoqué Mohamed Tall de l'UFR, ancien ministre de l'Élevage. Ils ont convoqué Mohamed Tall aujourd'hui parce que c'est la dictature, c'est la harnassif. Nous, on ne connaît pas d'abord le contenu réel de la convocation de Mohamed Tall. Mais ce que nous connaissons réellement, il y a trop de prisonniers politiques. Il y a des gens qui sont dans les prisons injustement. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils sont libres d'opinion. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils sont patriotes. Ils voulaient que ce pays avance. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ne pensent pas de la même manière que RPZ, Arc-en-Ciel. Raison pour laquelle ils sont dans les prisons injustement. Maintenant, s'ils ont convoqué un autre citoyen, pour nous, ce n'est pas une surprise. Même si on ne connaît pas officiellement le contenu, d'abord, parce qu'on a un suspect, le contenu de son convocation, on a un suspect, mais on ne peut pas définir d'abord le contenu de son convocation. Mais on sait que, parce que Mohamed Tall ne pense pas de la même manière que RPC, parce qu'il n'a pas le militant de RPC Arc-en-Ciel. Il était ancien ministre de Alpha Condé, Mohamed Tall. Il est de l'UFR, mais ancien ministre de Alpha Condé.
Et maintenant, comme il a quitté dans les bateaux de Alpha Condé, il est devenu ennemi sûr de la République. Donc ça, c'est l'un des contenus qu'on devrait connaître. Mais ce qui est plus grave, ce qui est plus grave aujourd'hui, Alpha Condé a dit qu'il va gouverner autrement de la Guinée. Parce que premièrement, il ne connaît pas la Guinée. Deuxièmement, il ne connaît pas les Guinéens. Troisièmement, il est entouré avec les clans mafieux. Alpha Condé est bandit et délinquant. Alpha Condé est sanguinaire et rebelle. En même temps, il a son entourage. Il n'y a aucune de son entourage lutter pour l'intérêt de notre pays. Tous ces cadres-là qui sont entourés d'Alpha Condé, ils luttent pour seulement leur intérêt égoïste personnel. Donc maintenant, pour gouverner autrement, c'est pour tuer l'avenir de notre pays. Parce que le symptôme de la dictature, un dictateur, qu'est-ce qu'il va faire? Un dictateur, l'objectif d'un dictateur, il va te donner manger. Tu vas survivre, tu vas avoir survivre, tu vas manger, mais sans manger à ton faim, mais sans avoir la prospérité. Il va te donner, tu vas manger, mais sans prospérité. Tu vas survivre sans la prospérité. Ça, c'est l'un des objectifs d'un dictateur d'abord. Un dictateur ne voulait pas que son peuple va avoir les consciences. Un dictateur ne voulait pas que son peuple puisse avoir la intellectualité. Raison pour laquelle toujours le dictateur sabotait l'éducation de son pays. Toujours un dictateur sabotait l'éducation. Il va faire le semblant. Un dictateur fait le semblant qu'il y a la scolarisation dans son pays. Un dictateur fait le semblant qu'il y a la scolarisation de son pays. Mais en réalité, en vrai dit, un pays dictateur, toujours l'éducation est sabotée. Parce que quand trop d'ignorance, trop pauvreté. Quand il y a trop d'ignorance, il y a trop de pauvreté. Raison pour laquelle, depuis l'arrivée de Alpha Condé, 2010, on a dit qu'il est bâtisseur, ce que le RPG Arc-en-Ciel a dit, le gens du RPG, le communicant, il dit que le bâtisseur Alpha Condé, le professeur Alpha Condé, qui a sorti l'université de Sorbonne, qui connaît l'état de droit, qui est professeur de droit, depuis son arrivée 2010 jusqu'à aujourd'hui, le Guinéen, l'élève guinéen n'a jamais étudié plus de 3 mois par l'année. Dans un pays normal, tout le monde étudie 9 mois par l'année, 3 mois de vacances, ou bien 2 mois et demi vacances, et tout le reste, c'est études. Mais depuis arrivé Alpha Condé, le Guinéen seulement étudie 3 mois par l'année. Il n'a jamais décrété l'année blanche. Nous, on sait que je ne peux pas dire ici en public qu'on a eu année blanche officiellement parce que ça n'était pas décrété. Parce que Alpha Condé sait que s'il a décrété année blanche, parce que c'est une faiblesse pour lui, donc son faiblesse va être publique. Donc, raison pour laquelle. Toujours, il fait l'examen semblant. Mais les gens qui sont scolarisés 2010 jusqu'à aujourd'hui, on n'a qu'à appeler un de ses élèves, on le donnait pour écrire une lettre. Si c'est élève-là qui a des niveaux qui a fait 10 ans de scolarisation, de 10e année, s'il si peut écrire une seule lettre officiellement, s'il si peut écrire une bonne lettre, donc il n'a qu'à nous démontrer. Donc, vous allez connaître réellement Alpha Condé a saboté l'éducation de base. Alpha Condé a saboté les Guinéens, il a saboté l'éducation pour que le Guinéen ne peut pas réveiller les consciences, pour qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas utiliser notre cerveau. Donc, c'est plus que pour qu'il puisse continuer à manipuler des Guinéens. Maintenant, si on a de ces personnes qui est devant nous, qui est notre ennemi sûr. Parce que l'ennemi de la Guinée, c'est Alpha Condé avec ses clans. Maintenant, si on a de ces ennemis sûrs devant nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester bras croix, regarder la personne, ou bien on doit faire quelque chose pour sauver notre vie. Mes frères guinéens, personne ne peut être content
la manière que notre pays fonctionne aujourd'hui, un bon croyant, quelqu'un qui a des foi en Dieu, quelqu'un qui sait que il va mourir tôt ou tard, parce que nous sommes mortels, quelqu'un qui aimait la Guinée, quelqu'un qui aimait les Guinéens, personne entre vous, en âme de conscience, sans être audacieux, d'être menteur, supporter la mensonge, personne ne va dire qu'il est content aujourd'hui d'être Guinéen avec cette situation que nous vivons aujourd'hui, quotidiennement, dans notre pays. Mes frères, il est temps de rêver de conscience. Il est temps de prendre la détermination. Il est temps de prendre le courage. Donc, il est temps qu'on se débrasse avec Alpha Condé. C'est un cancer pour nous. Il est temps qu'on se débrasse avec ce clan Alpha Condé. C'est un cancer pour nous. Regardons la Guinée. Je sais que il y a un boom qui va éclater dans notre pays de maintenant. Il y a un boom qui va venir éclater maintenant. Il y a un boom qui est sur la route. Il y a un grand boom qui va éclater maintenant. C'est quel est le boom là? Le gouvernement de Kassoul Fofana, tout ce gouvernement là va dégager là-bas. Maintenant, Kassoul a sacrifié son parti CPT pour ficeler son parti avec RPC, Arc-en-Ciel, maintenant avec espoir que lui va être l'alternative pour Alpha Condé, lui va être président après Alpha Condé. Maintenant, cela n'est pas le cas. Kassoul va dégager avec tous ces gouvernements. Maintenant, c'est là-bas le problème va commencer encore. C'est ça qui va être plus pur. Alpha Condé a dit qu'il va gouverner autrement. Cela veut dire que tous les cadres que lui il a nommés, c'est eux qui l'avaient trahi. Ce n'est pas lui qui a trahi la Guinée, selon Alpha Condé. C'est le cadre-là qui l'avait trahi. Maintenant, avec ce cadre-là, que lui il va censer tous ces cadres-là, mettre dehors tous ces cadres-là, prendre un autre nouveau de cadre. Mais alors que c'est le système qui va être là. Maintenant, l'autre aussi, c'est un combat qui va venir commencer encore. Il faut que le Guinéen sache de ça. Maintenant, quand le gouvernement de Kassoul Fofana s'est dégagé, parce que normalement, le gouvernement de Kassoul Fofana devrait démissionner avant aujourd'hui. Mais ils n'ont pas rendu leur démission. Parce que ils ont affamé de pouvoir. Le gouvernement de Kassoul Fofana devrait rendre des démissions dans les conditions normales, ce que le mascarade électoral, le coup d'état constitutionnel, la trahison de la nation guinéenne, la trahison de la conscience guinéenne, si cela, ça a été frais, ce qu'ils ont organisé l'élection 18 octobre 2000 passé, jusqu'à Alpha Condé a fait les prestations de serment, et jusqu'à lundi, ils ont fait les installations à Alpha Condé dans son fonction, malgré nous, on ne le reconnaît pas en tant que président. Qu'est-ce que Kassoul Fofana devrait faire? Kassoul doit rendre démission avec tout ce gouvernement dans les conditions normales. Mais tu as vu jusqu'à présent, cela n'a pas été fait parce qu'il y a un conflit interne qui est là-bas. Il y a un grand conflit là-bas que vous devrez connaître. Il y a un grand conflit qui est là-bas que vous devrez connaître. Aujourd'hui, c'est le box entre eux. Il y a des box, il y a des guerres entre eux. Donc, moi, je ne peux pas quitter dans mon fonction. Oh, non, tu vas quitter dans ton fonction. Maintenant, c'est le box là. Ils sont en train de se boxer, se bousculer entre eux aujourd'hui. C'est pour cela, Alpha Condé, jusqu'à présent, Kassoul n'a pas rendu les démissions parce qu'il voulait remplacer Kassoul Fofana pour Ba Ousmane. Que c'est Ba Ousmane qui devrait être président, chef de gouvernement, premier ministre, chef de gouvernement. Ba Ousmane. Ils ont promis Ba Ousmane qu'il va être chef de gouvernement, premier ministre chef de gouvernement. Maintenant, Kassoul ne voulait pas quitter dans son fonction. Maintenant, Diané, il y a une concurrence entre Diané et Kassoul. Il y a un conflit interne entre eux. Il y a un conflit interne entre Damaro et Mohamed Diané. Il y a un conflit interne entre Damaro et Burama Kondé, entre Burama Kondé et Mohamed Diané et Kassoul Fofana aussi. Entre eux, il y a un conflit interne. Maintenant, le CNS de RPC aussi, il y a un conflit qui est là. Le CNS de RPC, ils ont dit que c'est eux qui sont mérités d'être à la tête
à la tête de ces gouvernements maintenant. C'est eux qui sont mérités à être nommés. Le ZNS de RPC Arc-en-Ciel aujourd'hui, avec les 510, le groupe de 518, Jacques 518, GIA 518, avec tout ça là, ils ont dit que c'est eux qui sont mérités d'être nommés. Et maintenant, raison pour laquelle aujourd'hui il y a des bousculations, il y a des conflits, il y a une guerre morale entre eux. Il y a une guerre morale entre eux. Guerre froide dans les zones de RPG aujourd'hui, qui sont en train de se bousculer, ils sont en train de se battre entre eux. Il y a une guerre, il y a des guerres froides, tout le monde devrait connaître. Entre les zones de RPG. Maintenant, allez-y. La préfecture de Koya, Bunturabia. Aujourd'hui, je vais vous dire aussi, on a perdu deux frères là-bas. Ils ont tué deux nos frères, confrères, froidement, sans préalablement. Si réellement, général Bafoui, l'insécurité de notre pays, on va parler. À la même temps, je vais parler le pays qui sont aux aides de gouvernement de Alpha Condé. Il y a deux points là que je voulais augmenter. L'insécurité de notre pays. Il y a un monsieur qui est quitté États-Unis d'Amérique. Il est parti pour faire les vacances. Il le sait à Koya, préfecture de Koya, et quartier Bunturabia. Lui, ils sont tués froidement. Réellement, on ne connaît pas qui l'avait tué. Ils ont tué ce monsieur-là banalement, assassiné banalement, manière banale, sans aucune. Réellement, on ne sait pas profondément si c'est l'État qui a engagé, si c'est un règlement de compte, ou bien il y a quoi là-bas. Le monsieur a perdu la vie. À la même temps, quelques jours après, il y a une autre et son voisin, ils sont en face l'un et l'autre. Okay. Donc, il y a un de ces vassinaz, M. Kanté aussi. Ils ont viennent de tuer M. Kanté aussi. La même manière qu'ils ont tué l'autre monsieur. Dans le même quartier, le décor est en face, l'un et l'autre. Une manière banale. Réellement, on ne connaît pas pourquoi, qu'est-ce qui est en train de passer à Koya, à Bunturabia, deux personnes étaient et avec le silence de l'État, avec le silence du gouvernement. Maintenant, ça, c'est que nous, on condamne avec les fermetés, que leur âme répond en paix, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Maintenant, au lieu de s'occuper de la sécurité de ces populations, au lieu de avoir l'inquiétude et la préoccupation de ces paisibles populations, et Général Bafo est rentré de ces flaqueux pour dire que lui, il va plaidouer Mandian Fofana, et Mandian Sidibé, pardon, vous allez m'excuser, que lui va plaidoyer Mandian Sidibé pour qu'il n'a qu'à le laisser en paix, que sinon, que le général Bafoui, Assoumana Kamara, dit Bafoui, communiquement appelé Bafoui, lui, il a dit qu'il préférait de proposer son salaire à Mandian Sidibé pour que Mandian le laisse en paix. Mandian, le journaliste assilié à Paris, en France, Mandian Sidibé. Alors que son salaire, si ce n'est pas manière corruption, si ce n'est pas la corruption, c'est que Mandian Sidibé tous ici. Le salaire que Mandian gagnait ici en France, c'est 1000 fois, Mandian gagnait 10 fois que Général Bafoui en Guinée. Comment lui pensait qu'il va corrompre Mandian Sidibé au lieu de. En tant que secrétaire général de la police, directeur général de la police guinéenne, police nationale guinéenne, au lieu de avoir inquiétude, au lieu de se préoccuper de la sécurité de cette paisible population qui sont dans l'insécurité, au lieu de se occuper de ces gens-là qui sont dans l'insécurité, qui sont préoccupés. Parce que il n'y a pas de sécurité dans notre pays. Au lieu de s'occuper là, lui, il se préoccupe qui parle dans les réseaux sociaux, qui ne parle pas dans les réseaux sociaux. Parce qu'il sait que leur comportement est très mauvais, parce qu'ils n'ont pas un bon comportement. Ils sont un mauvais exemple pour nous, les Guinéens. Le directeur général de la douane, le directeur général de la police nationale,
de bafoui. En ce moment, Camara, communiquement appelé bafoui. Donc, ici, lui, il a dit que Mandial doit le laisser en paix, que lui va proposer son salaire. Chaque fin de mois, que Mandial Sidibé va prendre son salaire pour que Mandial le laisse en paix. Il pensait que Mandial, c'est un pauvre misérable, que Mandial n'a pas de dignité, à cause de que lui va vendre sa dignité à cause de l'argent. C'est ça que lui, en ce moment, le camarade pensait, parce que bafouille et ils vendent leur dignité à cause de l'argent. Ils marchent sans dignité. Ils vendent, ils trahissent la Guinée, ils trahissent les Guinéens, ils trahissent leur conscience, ils trahissent leur prestation de serment. Parce que la police, c'est pour tous les Guinéens. La police, l'armée en globalité, c'est pour la nation. L'armée doit être républicaine. L'armée ne doit pas être au service d'une personne individuelle. L'armée ne doit pas être au service d'une personne, un clan mafieuse. Maintenant, ils sont au service de Alpha Condé avec ces clans mafieuses. Ils n'ont pas au service du peuple. Ils devraient avoir de honte de ça, de parler ça en ce moment, Camara, communiquement appelé Bafoui. Donc, Général Fabou, Colonel Fabou Camara, avec ce clan qui est derrière de lui, le monsieur Keta là, de Tinkler là, qui est derrière de lui, c'est eux qui sont rentrés et massacrer les Guinéens, parce que toujours ils sont des milices de Alpha Condé. Ils n'ont pas de police guinéenne. Ils sont des milices de Alpha Condé. Fabou Camara. Je parle, mais c'est Fabou Camara avec ce clan, M. Keta qui est derrière lui, avec toute son équipe. On devrait être au service du peuple et son privilégié être clan mafieuse. Ils ont privilégié d'être au service d'un clan mafieuse au lieu d'être au service de Guinéens. Fabou Camara devrait être au service du peuple. Mais cela n'est pas le cas. Maintenant, s'il s'agit d'intimider, s'il s'agit d'effrayer, s'il s'agit de menacer, s'il s'agit de tirer, s'il s'agit d'encarcération, s'il s'agit de maltraiter, donc ils sont prêts pour ça. Au profil d'une personne, au profil d'un clan mafieuse, même pas au profil de la situation, de la citoyenneté, pas le profil de le citoyen guinéen, pas l'intérêt de la Guinée, ni l'intérêt des Guinéens. Mes frères guinéens, ça c'est condamnable. C'est très condamnable. Ça c'est le cas de la force de la sécurité dans sa globalité. Et commencement, le ministre de la sécurité, de Albert Damantan Camara, parce qu'un fainéant comme Albert Damantan Camara, Albert Damantan Camara, c'est un fainéant, c'est un zéro. Albert Damantan Camara, c'est un ennemi sûr de la Guinée. Commencement, leur ministre, Albert Damantan Camara. Jusqu'à tous les gens qui sont dans le même bateau, tous les gens qui sont complices avec eux. Parce que nous, les citoyens, nous pensons c'est eux qui devraient nous protéger. C'est eux qui devraient être bon exemplaire pour nous. C'est eux qui devraient être une référence pour nous. Quand on a des préoccupations, quand on a des inquiétudes, quand on se sent bafoué dans notre droit, quand on se sent intimidé, quand on se sent menacé, nous pensons que c'est là-bas qu'on va aller. Là-bas, ils vont nous protéger, ils vont nous donner ce qu'on a mérité. Mais cela n'est pas le cas. Cela n'est pas le cas. Ils devraient nous donner ce qu'on a mérité. Mais cela n'est pas le cas. On n'a pas mérité ce qu'ils sont en train de passer. Ce qu'on est en train de subir aujourd'hui, nous, les Guinéens, on n'a pas mérité de ça. Mais vraiment, c'est regrettable. C'est très regrettable pour nous, les Guinéens. Parce qu'on n'a pas d'un État, on a un clan mafieux, bandit. On a un bandit, on a un gouvernement terroriste qui fait la oppression du peuple. Au lieu de protéger le peuple, maintenant, on fait la oppression du peuple. Ça, c'est extrêmement dangereux. S'il s'agit de Alpha Condé, lui, il a fait prestation de serment une fois. Il n'a pas respecté. C'est malhonnête, menteur, trahisonneur. Il a fait haute trahison à la Guinée. Il a fait deux prestations de serment. Cela n'a pas été respecté. Comment que le troisième va être respecté? Donc, ça, on a totalement perdu la confiance de Alpha Condé. Il est dans la illégitimité. Il n'a pas légitime président. Alpha Condé n'a pas légitime président. Il faut qu'on prenne les stratégies pour délosser Alpha Condé, de force et de gré, pour libérer notre pays. Donc, il faut qu'on prenne les stratégies.
Nous, on ne peut pas prendre les armes de guerre, mais on va passer tous les moyens pour délosser Alpha Condé. Sans aucun doute. Parce qu'il n'a pas mérité ce qu'il est. Nous, on ne peut pas être assassins criminels comme eux. On ne peut pas être mauvais exemplaires comme eux. Mais nous, on passera toutes les. Une autre stratégie, une autre méthode. On va réorganiser une autre manière face à ces dictateurs. Parce que Alpha Condé, c'est un cancer pour nous, c'est un cancer pour la Guinée, c'est un malheur pour la Guinée. Le malheur de la Guinée, c'est la naissance d'Alpha Condé au sol de la Guinée. Depuis le jour que Alpha Condé est né en Guinée, la Guinée a eu le malheur. La Guinée n'a jamais eu la paix. La Guinée n'a jamais eu les progrès. La Guinée n'a jamais eu les bénédictions. Parce que le malheur de la Guinée, on a un Satan. Alpha Condé, c'est Satan. C'est Pharaon, c'est Kafri. Alpha Condé, c'est un Kafri. Pharaon, c'est un Satan. Alpha Condé ne croit pas en Dieu. Alpha Condé croit seulement les féticheurs. Alpha Condé croit seulement les arts qui font le Satan. Mais il ne croit pas de Dieu. Il a dit en public qu'il est regretté d'être musulman. Qu'il est regretté. Pourquoi il est musulman? Quelqu'un qui a dit ça. Qu'il est né musulman ou bien il est grandi musulman. Donc c'est un Satan. C'est honte pour Alpha Condé. C'est très honteux. C'est très regrettable pour partager un pays avec Alpha Condé, avec ce clan Alpha Condé. Parce que c'est la malheur de la Guinée. Ce n'est pas une bénédiction pour la Guinée. C'est une honteuse. C'est un gouvernement raté. C'est un gouvernement essuyé, raté. Un gouvernement raté, essuyé, malheur. RIP pour Alpha Condé, sincèrement. RIP pour le gouvernement Alpha Condé, RIP pour Alpha Condé. Parce que ça, c'est une honte pour nous, les Guinéens, qu'on n'a pas une personne, une bonne référence. Seulement, on a une mauvaise référence pour la Guinée. On a des mauvais exemplaires. Nous, les Guinéens, notre représentant de l'État, notre représentant diplomate, tout ça, c'est une honte pour nous, les Guinéens. Parce que c'est un mauvais exemplaire. C'est un mauvais exemple, c'est une mauvaise référence pour nous, les Guinéens. Donc, tout le Guinée est blessé dans leur mémoire aujourd'hui. Tout le Guinée est blessé dans leur mémoire aujourd'hui. Parce que Alpha Condé, c'est 0000000. C'est néant. C'est un fainéant, Alpha Condé. C'est un fainéant, c'est un zéro. Donc, ce que nous, les Guinéens, on n'a pas mérité ça. Sincèrement, on n'a pas mérité ce qui est en train de passer aujourd'hui. Si vous voulez envoyer, vous, les têtes mortes, cela n'engage que vous, le RPG, parce que vous êtes maudits. Vous êtes une personne maudite. Vous êtes ennemi de la Guinée. Vous êtes ennemi de la humanité. Quelqu'un qui n'a pas de dignité, qui n'a pas d'honneur, c'est vous qui êtes en train de faire comme ça, détruire notre avenir, détruire l'avenir de notre pays, détruire l'avenir de 13 millions et quelques Guinéens. À cause de votre malgouvernance, à cause de votre dictature, la moitié de la population guinéenne est sortie pour aller en aventure. 6 millions, la Guinée c'est 13 millions d'habitants, 12 à 13 millions d'habitants. Aujourd'hui, presque on a 6 millions de Guinéens en étranger qui ont abandonné la Guinée à cause de malgouvernance, à cause de la dictature, à cause de l'oppression. Ça, ce n'est pas honte pour vous. Vous ne pouvez pas avoir une conscience pour ça. Quelqu'un qui a des dignités, quelqu'un qui réfléchit, qui va analyser tout ça. Là. Ça, ce n'est pas pour accident pour vous. Ce n'est pas accident pour la Guinée. Ce n'est pas regrettable pour la Guinée que la moitié de la population abandonne la Guinée à cause de votre oppression, à cause de la dictature. Dans le 21e siècle, vous pensez que nous sommes premier siècle maintenant. Donc, détrompez-vous parce que vous êtes trompé totalement. Vraiment, c'est regrettable pour nous partager un pays comme vous. C'est très regrettable. C'est très regrettable. Donc, ce que nous, on n'a pas pensé. Parce que nous, on n'attendons pas ça. Nous pensons. Si c'est que, normalement, il y a un accident qui est passé. Un grave accident. Écoutez très bien. Je veux que vous tous, vous écoutez ça très bien. Il y a un grave accident. Il y a un grave regret qui est là. Le moment que le général Lansana Conté a pris Alpha Condé, emprisonné Alpha Condé. Le jour-là, si le général Lansana Conté avait tué Alpha Condé, c'est nous tous les Guinéens va dire que Lansana Conté est mauvais, il a tué l'intellectuel, comme la même chose qu'on dit par Diallo Télé.
ce couturier a tué le tel et tel. Si l'ancien comte, général l'ancien comte avait tué Alpha Condé en ce jour-là, s'il avait assassiné Alpha Condé, c'est nous tous les Guinéens, on va pleurer, on va condamner l'ancien comte qu'il a tué les bons cadres guinéens, il a tué l'intellectuel guinéen qui est sorti de l'université de Sorbonne. Nous, on va pleurer à vie dans ça. Mais malgré l'ancien comte, heureusement, l'ancien comte n'a pas tué. Sinon, on va accuser l'ancien comte dans les faussetés, dans les mensonges, qu'il a tué une personne qui devrait renverser la Guinée comme au paradis, qu'il devrait construire la Guinée comme au Paris, ou bien États-Unis d'Amérique. Maintenant, heureusement, l'ancien comte n'a pas tué, pour qu'on ne peut pas pleurer son nom, pour que nous, les Guinéens, on peut réveiller, connaître la réalité. Ce qu'il a fait, l'arrestation de ses couturiers, ce qu'il a dit, Alpha Condé est mauvais, l'ancien comte, ce qu'il a dit, que c'est mauvais, pour que nous, les Guinéens, on va être éclair de témoignants de ça, que Alpha Condé, c'est une mauvaise personne, Alpha Condé, il a un mauvais cœur, il a une mauvaise voix, il a une mauvaise attitude, il a un mauvais envers de la humanité. Ça, c'est une témoignage pour nous, et on devrait prendre les réfléchir pour ça. Si l'ancien comte avait tué, comment nous les Guinéens, qu'est-ce qu'on va dire? Mais aujourd'hui, quelle est notre opinion aujourd'hui? La différence, s'il était mort dans les prisons, si l'ancien comte avait été tué, Alpha Condé, qu'est-ce que nous on va dire? Que l'ancien comte, il est quoi? Maintenant, aujourd'hui, quelle est notre pensée pour Alpha Condé? On doit faire les pas, différence des choses. Le malheur de la Guinée, c'est Alpha Condé, avec son clan. Le malheur de la Guinée, parce que Alpha Condé est né au sol de la Guinée. Partager un pays avec Alpha Condé, c'est un regret, c'est un malheur. C'est une malédiction pour nous, les Guinéens. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction pour nous, les Guinéens. C'est regrettable, non? C'est regrettable. Maintenant, ce qui est passé 1970 à 80, Alpha Condé envisageait de faire ça dans notre pays. Ou bien plus pur que ça. Mais il devrait connaître, on vit dans le monde moderne, il y a une technologie, il y a une mondialisation. Ce qui est possible hier, aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Donc, il devrait faire des différences des choses. Et reconnaître la vérité, et connaître la réalité, et connaître, vivre le monde moderne, vivre la réalité. Et il est en train de chercher la reconnaissance envers les Nations Unies, parce qu'il a envoyé les soldats guinéens, l'armée guinéenne qui nous avait appartient, parce que l'armée c'est pour tous les Guinéens. Aujourd'hui, il a envoyé certaines armées à Tchad, il a envoyé certaines armées à Libye, pour que la Nations Unies, organisation internationale, vont dire Alpha Condé, c'est une lutte pour contre-terrorisme. Alpha Condé, c'est une personne de référence, alors que c'est un néant, c'est un fainéant, c'est un zéro pour nous, c'est une malédiction pour la Guinée, c'est quelqu'un qui est ennemi sur de la Guinée. Ça, c'est être regrettable pour nous, les Guinéens. C'est que nous, on n'a jamais pensé que la Guinée va devenir moins faux de Diakité. Je vais vous dire aujourd'hui, en 93, mes frères guinéens qui me connaissent en 93, les gens de Touba vont être au clair des témoignages de ça. Moi, Fode Diakité, avec mes amis, je ne peux pas citer le nom de certains parce qu'il y a d'autres qui sont décédés maintenant, ils ne vivent plus, il y a d'autres qui vivent jusqu'à présent. En 93, c'est nous qui avons fait le combat dès qu'ils ont dit que Alpha Condé est perdu. C'est nous qui avons fait le combat, réclamer la victoire de Alpha Condé. En 93. Dès qu'ils ont fait couvre de feu, l'ancien comte a fait couvre de feu. Il a dit que c'est lui qui est gagnant. En 93, nous, on a fait les manifestations, on a fait le combat, on a lutté corps et âme pour réclamer la victoire de Alpha Condé. En 93. Toutes les élections, nous battons pour que Alpha Condé devienne au pouvoir. Et en 97,
Dès qu'ils ont fait l'arrestation Alpha Condé, ils ont dit que ils ont fait l'arrestation Alpha Condé à la frontière, qu'ils voulaient quitter parce qu'il a envoyé les rébellions. Nous, on a fait les luttes, on a fait les combats. En disant Alpha Condé est dans l'injustice. Moi, faut déjà quitter. Voici, je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Tout le monde veut être témoin. Tu as vu mon pied là, cicatrice qui est ici là. Et tu as vu, il y a mon bras ici. Donc, moi, j'étais blessé à cause de Alpha Condé. Moi, on m'a arrêté. Parce que moi, avec mes amis à Kindia, on a fait les manifestations. Ils nous avaient arrêtés à Kindia à cause de Alpha Condé. Ils nous avaient emprisonnés. Ils nous avaient torturés. Ils ont mis plus sur ma tête là, ici, à Kindia, Kankémé-Bourama. Ils nous avaient donné le débat pour qu'on va nettoyer tous les Kankémé-Bourama à Kindia. Donc, à cause de Alpha Condé. Le moment là, nous pensons Alpha Condé, c'est une bonne personne. Nous, on vit dans les erreurs à ce moment. J'ai des cicatrices ici. J'ai des cicatrices ici. Donc, à cause de Alpha Condé. On m'a bastonné. On m'a torturé. À Kankémé-Bourama de Kindia. Tout le monde peut témoigner. Grâce à nos vieux Yakanké qui sont à Kindia, c'est eux qui sont partis et fait tout possible pour nous libérer. Donc, ça a été, dès qu'ils ont fait l'arrestation Alpha Condé, ils ont dit qu'ils ont fait l'arrestation Alpha Condé à la frontière, que Alpha Condé est rebelle. Donc, nous, on était désaccord. Le sang de Kindia peut témoigner de ça, parce que ça a été public. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est cassé. Ce n'est pas si quelqu'un va dire aujourd'hui que c'est faux ou bien c'est pas faux. Ça a été en public de Kindia. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent de ces vidéos. Il y a beaucoup de mes amis de Kindia qui me connaissent. Je suis dans un groupe. Notre groupe, c'est le groupe de Williams. Groupe de Williams de Kindia. Tout le monde connaît le groupe de Williams. Donc, je suis membre du groupe de Williams de Kindia. Même Mamadi Diawara, radio rurale de Kindia, qui travaille radio rurale avec son compagnon, et il parle mon nom à la radio rurale de Kindia. Donc, si quelqu'un a un doute de ça, qui a des doutes de ça, Mamadi Diawara est en vivant. Lui, il est journaliste. Mamadi Diawara est journaliste de Kindia, radio rurale de Kindia. Vous pouvez appeler là-bas, faire recherche. Il y a des groupes de Williams qui sont vivants aujourd'hui. Il y a mes frères Diakanké qui sont à Kindia, qui ont été témoignants de ça. Ils sont là. Même mon oncle, là où je vis, il dit que moi je mélangeais avec tous les autres. C'est là-bas qu'on m'a dit, dès que jusqu'à on m'a donné un surnom. Tous les Kindia, les gens qui me connaissent très bien à Kindia, tout le monde m'appelait Diakis Bad. Diakis. Mon surnom à Kindia, c'est Diakis. C'est à cause de ça qu'ils sont donné, je me donne, on m'a donné un surnom, Diakis Bad. Parce qu'on a trop lutté pour Alpha Condé. Tout le monde sait ça. Même la radio rurale de Kindia, on m'appelle Diakis Bad. C'est mon surnom, ça, à Kindia. Le gens qui me connaît, quand tu dis n'importe quelle personne à Kindia, Diakis Bad, ils vont connaître, c'est moi, il faut les quitter. Même Sanusi. Et Bruno Kaba qui est en Angleterre aujourd'hui, Sanusi, aujourd'hui, lui, il est RPZ, lui peut témoigner de ça aujourd'hui, il vit en Angleterre. Donc, on a plein de personnes, donc je ne peux pas citer. Donc, les gens qui sont en train de faire comme ça, là, que c'est faux, c'est faux. Donc, moi, je ne suis pas là pour vous donner les mensonges. Tout le monde connaît Diakis Bada à Kindia, c'est pour moi, il faut dire Diakité, on dit Diakis. Parce qu'on a lutté à cause de Alpha Condé. On m'a surnommé, on m'a nommé, on m'a donné un surnom, Diakis. Diakis Bada. Tout le monde connaît ça à Kindia. Par toutes les Kindia, n'importe quelle jeunesse de Kindia, ma génération, quand tu dis que ça soit une femme, que ça soit un homme, quand tu dis Diakis, le groupe de Williams, tout le monde connaît, c'est moi. À Kindia. À cause de quoi? À cause de RPC. Parce qu'on a lutté pour RPC. Nous pensons en ce moment, Alpha Condé, c'est un diamant brut pour la Guinée. Nous pensons, Alpha Condé, c'est quelqu'un qui va construire la Guinée comme le monde moderne, comme plus que les États-Unis d'Amérique. En ce moment. Mais nous sommes dans les erreurs. Nous, on vit dans les erreurs. C'est un Hakibo. Parce qu'on est trompé en ce moment. Parce que nous vivons dans les erreurs. Parce qu'on ne connaît pas réellement le fond d'encombre
qui est Alpha Condé. En ce moment, parce que nous, nous vivons dans les erreurs. Parce que toujours, avant de connaître la réalité, tu peux tromper la personne. Parce que l'apparence trompe. Dès qu'il nous avait dit Alpha Condé, c'est un intellectuel. Dès qu'il nous avait dit Alpha Condé, c'est une université Sorbonne. Il a quitté l'université Sorbonne. Dès qu'il nous avait dit Alpha Condé a fait enseignant les gens dans l'université Sorbonne, nous, nous pensons, et c'est un diamant brut pour la Guinée. Nous, nous pensons que c'est une bénédiction pour la Guinée. Nous, nous pensons que c'est un don de Dieu pour la Guinée. Que Alpha Condé va transformer la Guinée comme Petit Paris, comme dans toutes les, et aussi, comme les Occidentaux en un mot. Mais contrairement à ce que nous nous pensons, ça a été totalement contraire. Donc, sans qu'il parle aujourd'hui le nom de RPG, moi, Fodé Diakité, c'était supporter RPC plus que ces gens-là. Moi, Fodé Diakité, c'était torturé, maltraité, emprisonné à cause de RPC plus que vous. Aujourd'hui, moi, je suis qui est devant vous, devant les caméras. C'est lui qui voulait croire, c'est lui qui ne veut pas croire, c'est son problème. Moi, je ne suis pas là pour que vous puissiez me croire parce que vous avez une tête fermée, que vous êtes une personne maudite, que vous avez une tête fermée. Je ne suis pas là pour que vous allez croire. Mais je sais que les gens qui me connaissent par tout l'endroit, quand vous parlez Diakis Bad de Kindia, Diakis, tout le monde connaît qui est Diakis de Kindia. Donc, ça a été en public. Même le radio rural de Kindia parle de moi. Moi, Fodé Diakité qui a pompé, qui avait pompé l'hôpital régional de Alpha Omar Diallo de Kindia. Hôpital régional de Kindia. L'hôpital Alpha Omar Diallo de Kindia. À l'âge de 13 ans, le moment où j'ai 13 ans, j'ai pompé plus de 4 fois pour désinfecter tout l'hôpital général de Kindia, pour que, avec les cafards, avec les moustiques, ainsi de suite, pour que les gens qui sont malades dans l'hôpital d'Alpha Omar Diallo de Kindia, ils puissent dormir tranquillement. C'est Fodé Diakité qui avait à l'âge de 13 ans, à Kindia, tous les Kindia connaissent ça, les pompistes. J'avais les pompistes à Kindia, à l'hôpital. Beaucoup d'endroits publics pour un acte patriotisme. Si vous dites que c'est vrai, ça n'engage que vous. Si vous dites c'est vrai, il y a des journalistes qui sont témoignants de ça. Vous pouvez aller faire l'investigation à Kindia. Quand je dis quelque chose, prenez cette vidéo. Vous prenez cette vidéo, vous envoyez à Kindia. Vous dites, Fodé a dit ça et ça. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? C'est ça qui est, c'est ça parce que je parle en public. Le vidéo, vous pouvez télécharger. C'est facile de télécharger des vidéos envoyées partout là où vous voulez. Donc, si vous voulez témoignage. Mais nous, je suis regretté pour Alpha Condé parce que c'est ce que nous pensons. Depuis moi, il y a un moment donné, je commençais de décourager pour Alpha Condé. Pourquoi? Le moment qu'on a dit Alpha Condé, c'est un opposant historique. Le moment qu'on m'a dit qu'Alpha Condé c'est un opposant historique, ça fait années et des années, depuis tant de Ahmed Issé Koutouré, Alpha Condé est opposant, jusqu'à temps de général Lansana Condé. Maintenant, on a trouvé, on a analysé quel emploi des jeunes Alpha Condé a fait en Guinée avant qu'il soit président. Donc, j'ai commencé de faire ces analyses. Et nous, un jour, on est parti à Damfaraya, Madina Mafanko. Alaï Baba Damfara, qui est Mafanko. Alpha Condé, vous pouvez appeler Alpha Condé le jour là. Alpha Condé a un bassin blanc. On a fait les cérémonies de Mauloud à Mafanko. Nous, avec Alpha Condé. Avec Alaï Baba Damfara, paix à son âme. À Mafanko. On a fait des cérémonies le jour là. Alpha Condé est venu avec un bassin blanc. Bassin bleu. C'est pas blanc, c'est bleu. Bassin bleu, bleu, couleur bleue. Vous allez appeler Alpha Condé, vous le demandez. On a fait des cérémonies là-bas pour Mauloud. Vous comprenez, Djombent Salo, la fête de Djombent, Mauloud. Le jour là, je vois Alpha Condé. Et je vois Alpha Condé en personne. Ce que nous litons, je vois un fainéant devant moi. Ce jour là. À la même temps, je demande qu'est-ce que Alpha Condé a fait en Guinée. Il y a d'autres qui sont gonflés notre tête en ce moment. Il dit que les Issines de Relo qui s'appelle Kassia,
Et Cassia, il y a une marque de relo, Cassia, qui est Alpha Condé est membre de qui il a une action avec ça en France ou bien en Belgique. Et que Alpha Condé a une autre usine en Belgique ou bien d'autres endroits. En ce moment, mais je vois que c'est faux. En ce moment, je demande quel travail que Alpha Condé a fait en Guinée. Quelle maison il a construit en Guinée? On m'a dit qu'il n'a aucune maison en Guinée, sauf il a une étage de sa sœur. Même si c'est Alpha Condé qui a construit cet étage-là à Madina, Mafanko, mais il a donné ça à sa sœur. Ce n'est pas pour lui. Maintenant, cela veut dire qu'Alpha Condé n'a aucune, même un casino, il n'a pas en Guinée en ce moment. Après, je vais les synthèses. Je vais les analyses et synthèses. Je dis que les gens que nous, on a dit, c'est un patriote. Les gens que nous, on a dit que c'est un intellectuel. Les gens qui ont dit que c'est lui qui fait l'enseignant aux universités Sorbonne. Qui est sortant université Sorbonne, à la même temps, il est professeur de droit aux universités Sorbonne. Maintenant, les gens que nous battons corps et âme, les gens que nous sacrifions notre vie à une personne pour qu'il n'a qu'à conquérir des pouvoirs. Maintenant, lui, il n'a rien construit en Guinée. Lui, même un casseron, il n'a pas en Guinée. Je dis que, est-ce que le jour que lui va gouverner en Guinée, est-ce qu'il va faire quelque chose de potentiel pour nous, les Guinéens? Est-ce qu'il va faire quelque chose qui peut aider la Guinée, qui peut aider les Guinéens, qui fait avoir le progrès en Guinée? Le jour là, j'ai commencé de décourager. Le jour là, j'ai commencé de décourager. J'étais ébahi. Je pensais autrement. Je dis que est-ce que c'est vrai? Est-ce que, ou bien, est-ce que le gens qui fait la diffamation, je commençais de. La tête gonflée comme ça, là, je perdis, j'ai ébahi. Mais en ce moment, c'est difficile à accepter pour moi, c'est difficile à comprendre pour moi qu'il n'a rien fait en Guinée. Il y a d'autres qui ont dit non, il a construit, mais il a cassé de ça, et ça y est en cassette pour que l'État ne puisse pas le récupérer, ainsi de suite, parce qu'il était assilé politique parce qu'il n'a pas eu les problèmes, il n'a pas eu d'entente avec l'ancien comté, il n'a pas eu d'entente avec Ahmed Sékou Touré, qu'il a construit certaines maisons, que mais ça y est en coulisses, que ça a été cassé, que c'est cassé, que les gens ne connaissent pas en public. Il y a d'autres qui sont dit ça. Je dis, ah, est-ce que ça c'est possible? Cet argument, est-ce que ça peut être argument solide pour moi ou bien ça ne peut pas être argument solide pour moi? C'est là-bas que je commençais une décession pour lui. Je commençais à avoir des sessions, je commençais à réfléchir de la personne d'Alpha Condé. Je dis que est-ce que je ne suis pas trompé la personne que moi je supporte? C'est là-bas que je commençais à faire une grande réflexion sérieuse et sincère et analyse. Parce que la tête de la personne, le cerveau de la personne, l'importance de la intellectualité de la personne, l'importance des cerveaux de la personne pour que tu fais réfléchir, tu fais analyse et tu fais différence des choses. C'est là-bas que je commençais de penser autrement. Et jusqu'à finalement, j'ai tiré les synthèses. Mais la véritable, c'est que pour connaître réellement ce qu'on m'a dit avant, tout ce qu'on m'a dit avant, je commençais de connaître le moment que Alpha Condé est devenu au pouvoir 2010. Le moment qu'il est devenu au pouvoir de 2010. Quand il fait les campagnes, il dit que Sansol la Guinée ensemble. Sansol la Guinée ensemble, ça a devenu la dictature. On dirait que ce n'est pas le monsieur qui a fait les Occidentaux pendant des années et des années. Si Alpha Condé a fait beaucoup d'années, 40 ans, dans un pays communiste, ou bien dans un pays dictateur, on peut dire c'est là-bas qu'il a hérité la dictature là-bas, ou bien il a hérité le gouvernement communiste là-bas, comme au Cuba, ou bien comme le Chine, ou la Chine, ou bien le Russie. Mais il vit dans les Occidentaux. Il connaît la vie occidentale. Il connaît la réalité des Occidentaux. Maintenant, lui, il se comporte comme gouvernement communiste, comme gouvernement de la dictature, ennemiste ou bien communiste. Ça, c'est ça qui fait la différence de choses, c'est ça qui nous avait coûté de comprendre. Mais depuis 2010, il a dit empoisonnement de pull. Depuis 2010, il a commencé de faire la mamaya. Je dis que la personne là, ce qu'on m'a dit, c'est vrai, c'est un fainéant, c'est un zéro. C'est un zéro, c'est un fainéant.
Donc, on a aucun espoir de lui. Lui, il peut rien faire pour nous, les Guinéens. Il peut pas s'en servir rien, absolument rien pour la Guinée. Il ne peut pas construire aucune chose potentielle pour nous, les Guinéens. Depuis qu'il est venu au pouvoir, on a connu de plus. Parce que le plus que Cels montre, plus que tu vois le derrière. Donc, le plus que Alpha Condé montre, plus qu'on voit le derrière de Alpha Condé, ça a une mauvaise odeur qui est son derrière. Voilà. C'est ça la conclusion que nous, on a vue à Alpha Condé. Parce que plus que le sens montre, plus qu'on voit le derrière. Plus que Alpha Condé montre, plus qu'on voit le derrière. C'est un zéro. Plus que Alpha Condé montre, plus qu'on voit les mauvais odeurs sont derrière, malgré il a des pompes. Il a bien adapté des pompes pour que le mauvais odeur là puisse garder, mais le pompes là n'a pas bien porté le mauvais odeur. Voilà. C'est l'un des problèmes principaux de Alpha Condé. Parce qu'il a un mauvais odeur derrière de lui. Il a attassé des pompes. Parce que Alpha Condé utilisait des pompes. Tout le monde devrait connaître. Alpha Condé utilisait des pompes. Aujourd'hui, son frein ne marche pas. Ni frein devant, ni frein derrière. Ni le frein devant, ni le frein derrière, ça ne marche pas. Maintenant, il utilisait des pompes. Maintenant, le pompes là, il est en train de porter ses mains. Toujours, il y a un filtre dans les pompes là. Donc, le filtre, quand il y a un filtre là-bas, maintenant, c'est le mauvais odeur qui vient le peuple. Quand partout là où il passe, c'est mauvais odeur. Même l'autre jour, là, la cérémonie qu'ils ont organisée, il dit que la prestation de cérémonie, malgré, tu as vu comment il a dit là-bas, parce que son frère ne marche pas, ils sont bien attachés des pompes à lui pour aller là-bas. Même en marchant, tu vas sentir qu'il a une pompes. C'est pour cela qu'il apprend le grand boob là, le jour là, parce que s'il va dire certains endroits, il faut qu'il prenne le grand boob, parce que pour bien couvrir des pompes. Donc ça aussi, le Guinéen devrait connaître ça, parce que le âge ne pardonnait pas aussi. Il a un âge qui maintenant, le frein ne marche plus maintenant. Et donc ça, c'est un autre problème aussi. Raison pour laquelle, au palais Sékou-Touré, il y a un sambour là-bas, c'est le pompe seulement qui est rempli là-bas.